Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Bonjour. Du coup, bienvenue, bonjour à Clémentine. Bonjour. Et bonjour à tout le monde, bienvenue si vous êtes sur la chaîne YouTube d'Adobe France, bienvenue. Si vous êtes du côté Behance, bienvenue aussi. Comme d'habitude, on va vous partager le lien si vous êtes sur YouTube pour nous rejoindre sur Behance. Comme ça, ça nous permet de voir vos books, d'aller voir vos profils et tout, et le chat est plus facile à voir. Dites-moi si vous m'entendez bien. Bonjour à tous ceux qui sont déjà sur le chat. Du coup, Jamila, Greg, Aïen, Daniel, Alexandre, Patrick, Nas. Voilà, les noms nouveaux, ceux qu'on connaît. Bonjour à... J'en connais, donc coucou. On va être ensemble pendant une heure pour parler du travail de Clémentine Guiva. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, je suis illustratrice jeunesse. Je fais aussi illustratrice jeunesse sur des projets de livres scolaires, de livres-jeux, voilà, principalement. Je fais aussi du design graphique, du design textile, des fois un peu touche à tout sur des projets, dernièrement aussi de jeux vidéo. Il y a aussi de la couleur de bande dessinée. Et je suis prof, voilà, prof de colorisation digitale. Ok, voilà, ah c'est spécifique, comme, trop bien. Exactement, ouais. Ok, voilà, écoute. Mais comme beaucoup de gens qui sont invités ici, j'ai l'impression. Oui, carrément, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on ne regarderait pas ça? On va regarder ton écran pour voir un petit peu ton univers. Ok, donc normalement, ça apparaît à l'écran. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Du coup, bonjour si vous avez des questions et si vous, voilà, n'hésitez pas à nous joindre dans la conversation sur le chat. On est là, on lit tous vos messages. Voilà, du coup, on est sur ton Instagram. Exactement. Donc, je suis pas très bonne sur les réseaux sociaux et sur ma façon de me mettre en valeur sur Internet. Non, pas du tout. C'est un boulot à part entière, je pense. Donc, quand on sait pas faire ou que c'est pas. Le Instagram, en fait, je m'en sers comme une sorte de vitrine. Le fait d'avoir un lien à balancer quand quelqu'un s'intéresse à mon travail. Voilà. Donc, là, sur les premières pages, c'est une mosaïque un petit peu de projets en cours, à venir. Il y a des imagiers, jeunesse. Là, je travaille avec les éditions MDI sur des livres scolaires, des livres de mathématiques. Okay. Voilà, et ça, c'est super sympa à faire. Je pense que si j'avais eu ce genre de contenu, je me serais peut-être plus intéressée aux maths. Peut-être que je serais pas là aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super sympa de bosser dessus. Il y a aussi des projets personnels. Enfin, je déroule un petit peu et je pense que je reviendrai certaines choses. Mais comme ça, on voit ton univers tout de suite. Voilà. Je pense qu'il y a des styles un petit peu différents, mais à vous de me dire, mais je pense qu'il y a une cohérence quand même générale. Oui, carrément. Voilà. Là, on arrive sur le passage un petit peu du confinement, donc il y a des choses un peu plus expérimentales en termes de style. Ok. Sur les posts, des choses personnelles, comme ces deux-là. Un petit Drosy Senior Style, parce que de temps en temps, des challenges comme ça sur Instagram lancés par des dessinateurs. Tu peux reprendre leurs illustrations avec ton propre style. Ouais. Et c'est un bon exercice, c'est vraiment, vraiment sympa. Ah, c'est marrant. Et donc, toi, tu disais que tu te spécialisais vraiment en illustration jeunesse. C'est ça, exactement. Exactement. Il y a d'autres choses que j'aime bien faire, mais je dissocie un petit peu,
pour moi, il y a une part pour le moment qui reste de l'ordre du hobby et une autre part qui est mon travail professionnel. Et en pro, bah, j'ai fait des choix il y a quelques années sur quelques styles en jeunesse qui restent quand même des choses personnelles. Je pense qu'ils me ressemblent. Et à la fois, c'est aussi un pari qui paye plutôt pour le moment. Donc, c'est cool. Et puis, je pense que se lever le matin pour faire ça... Non, ça va, ça c'est chouette, voilà. Mais là, voilà, plus on recule, en fait, dans mon feed, plus... moins c'est cohérent, je pense. Voilà. On voit qu'il y a des choses, que je tentais des choses un petit peu différentes. Encore là, ça va, mais... voilà, des choses comme ça qui sont pas du tout jeunesse, sur de la peinture digitale, des choses en tradis. Voilà, ce genre de choses que j'aime toujours beaucoup faire, mais qui sont pour moi maintenant un à côté. Voilà. Ok. Et est-ce d'ailleurs, que tu peux... Ah oui, non, vas-y, vas-y. Non, c'est d'arriver sur... ici, je pense que je suis obligée d'en parler un petit peu, mais juste, si je peux dire un petit mot sur mon parcours, si tu veux, je pense... Oui, c'est exactement ce que j'allais te demander. Ben voilà, parfait. J'allais te dire, si tu peux nous raconter comment tu en es arrivée là. Eh bah, déjà, je pense que je suis quand même obligée de le dire, mais j'ai grandi dans un environnement propice. Mon papa est enseigniste, il fait des enseignes en fer forgé. Là, il y a un petit poste où on voit les enseignes. Donc, il faisait de la peinture, de l'aquarelle, donc il avait son atelier chez nous. Et ma maman est graphiste. Donc, d'accord. Voilà. Donc, autant ils ne nous ont pas spécialement appris ou dit quoi faire. Autant, j'ai toujours été entourée de couleurs, d'inspiration, en fait, et je pense que d'avoir ça comme environnement, ça m'a permis aussi de voir ce que ça donnait le fait d'être freelance et artiste dans le réel, tu vois. Pas seulement carrément. La production, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, quand on a... Enfin, dans le cas de mes parents, une vie de famille, tous les moments où il y a plein de boulot, les moments où il y en a moins, enfin voilà, comment on fait. Donc ça, c'est pas mal. Après, j'ai fait un bac L, j'ai eu une petite errance post-bac niveau... la classique. Voilà, niveau orientation. Et en fait, après, je me suis dit, bon, je vais faire des études qui me plaisent. Et donc, j'ai fait une école de BD et d'illustration. Ok. C'est l'école Jean Trubert, où je suis prof depuis cette année. Donc c'est marrant, parce que la boucle est bouclée. C'est trop bien. La dernière année, la deuxième année, j'ai gagné un concours avec le 59 Rivoli. C'était le prix Canson Art School. Ah oui, c'est vrai. C'est Grande Sardine sur 70 mètres carrés en plein Paris pendant 3 mois. C'est trop bien. Ouais. Et donc ça, je pense que ça a été vraiment un gros coup de pouce parce que, plutôt pour donner, ça me donnait de la crédibilité. En fait, quand après j'ai voulu commencer à chercher du travail ou à approcher un petit peu des gens, bon voilà, ça fait un truc un peu solide et original à montrer. Ouais, carrément, ouais. Donc voilà, et puis après ça, elles sont parties en Bretagne aussi l'année suivante. Ok. Plus proche de la mer, je pense qu'elles étaient bien. Ah, elles étaient contentes. Voilà, c'est ça. Et en fait, à partir de là, donc ça c'était il y a 5-6 ans. J'ai toujours donné des cours, donc dans les écoles, dans des cours particuliers. Après, j'ai rejoint un atelier où je donnais des cours de modèles vivants, des cours de tout, des cours d'huile, des cours d'argile, des cours des enfants, les ados, les adultes. C'est trop cool. Ouais, c'était une super expérience, ça m'a pas mal appris. Après, j'ai commencé à avoir des premiers boulots que j'ai eu par contact avec le design textile. Ok. Voilà. Et ça, donc j'ai pas grand chose que je peux montrer parce que c'est des travaux qui sont exclusifs pour la personne avec qui j'ai travaillé. Ok. Et ça a été super parce que on a fait des centaines de dessins ensemble sur des thèmes complètement différents. Ok. Et ça a été pour expérimenter, pour trouver ma main et développer un workflow rapide et sur Illustrator. Je pense que ça... Je ne savais pas à ce moment-là, mais ça a quand même pas mal nourri la suite. Et ça m'a surtout fait travailler sur Illustrator. Et du coup, c'était quoi? C'était du motif? C'était du motif, ouais. Là, c'est des motifs que j'avais fait pour une collaboration avec
avec Wawa, c'est une marque de couches lavables. Ok. Et c'était une collaboration ponctuelle pour le salon Veggie World d'il y a quelques années, qui est à Paris au 104. Et donc voilà, là j'ai que ces motifs-là à montrer. Mais ouais. En fait, il y avait du linge, des motifs pour du linge de lit, pour la cuisine, des choses hyper variées. Et donc en fait, la personne avec qui je travaille à ce moment-là me demande si je sais travailler sur Illustrator. Et en fait, j'avais plein d'a priori sur Illustrator. Je n'aimais pas trop ça, mais j'ai dit, bien sûr, évidemment. Oui. Et donc, je me suis formée sur le tas. Et en fait, c'est un outil super que j'utilise maintenant énormément en illustration jeunesse. Et si je n'étais pas passée par cette expérience, je pense que ça ne ferait pas partie. Enfin, ça a vachement conditionné mon style, le style que j'ai maintenant et ma façon de travailler. Ok. Ça, c'est sympa. Et donc, quand on avance. Ouais, ce qui s'est passé, c'est j'ai eu ce boulot-là, il y avait les cours. Et après, j'ai commencé aussi à faire des aplats pour la bande dessinée. Donc, c'est en gros, je prépare les planches à la couleur. Ok. J'en ai préparé sur 13, sur Aral, avec Bruno Tati à la couleur, qui est donc un de mes collègues d'atelier. Il y a eu aussi sur Champignac de David Etienne, enfin pas mal de choses. Et en fait, justement, je parle de mes collègues d'atelier parce que j'ai intégré à ce moment-là un atelier et ça m'a quand même vachement aidée parce que je me suis retrouvée donc à travailler avec eux sur les aplats. Et ça a été une constante, en fait, depuis 3 ans. C'est un petit peu une base, c'est un boulot un peu bête et méchant, c'est alimentaire, mais ça m'a permis quand même de gagner un petit peu ma vie. Okay. Et aussi d'avoir de pouvoir continuer en fait à être freelance. Ouais. Aussi des fois d'avoir un boulot exec comme ça, c'est pas mal parce que ça te laisse un peu de temps de cerveau disponible pour, ouais, carrément, ouais. Pour écouter un podcast, pour penser à autre chose, pour ouais. Faire un break de la créa. Et donc en fait ça s'est bien équilibré avec ça. Et mais j'avais pas encore à ce moment-là de boulot dans l'édition jeunesse. Je grattais un petit peu tous les ans au salon du livre jeunesse de Montreuil. Ouais. Bon, en fait, il y a des rendez-vous où tu peux rencontrer des éditeurs et c'est super. Donc pendant plusieurs années, je suis venue avec mon book. Ok. Et donc les premières années, ils étaient là, bah c'est sympa, ouais c'est cool. Mais ça partait un petit peu trop dans tous les sens et je sentais qu'ils étaient presque désolés pour moi, mais en tout cas ils pouvaient rien me proposer. Ouais. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait à un moment, il fallait que je confronte un style plus fort parce que les éditeurs, je pense, ont plus de facilité à se projeter avec quelqu'un qui a un style fort et peuvent se dire, bon, bah, voilà, si je lui confie ça sur un projet, elle va le tenir sur tout le projet. Alors ouais, d'accord. Si tu pars un petit peu dans tous les sens, autant pour certains projets, justement, peut-être pour de l'ADA ou auprès de particuliers, ils disent, ah, super, là, c'est tout faire et c'est un atout. Autant pour l'édition, voilà, il y a un moment, je me suis dit, allez, je vais tenter autre chose. Et donc, je suis allée à Montreuil avec un book super ciblé. Ok. Et c'est là que j'ai eu des résultats, en fait. Est-ce que tu as préparé ton book exprès pour Montreuil? Ouais, ouais, ouais. Tu t'as analysé ce qu'ils t'avaient dit avant et... Oui. Donc, par exemple, tout ce qui était en tradis, parce que j'aime bien la gouache, j'aime bien l'aquarelle, j'ai tout viré. J'ai mis essentiellement des choses en aplat, avec des couleurs assez, assez vives. Voilà, j'ai essayé d'avoir un book un peu plus cohérent. Et, ouais. Et j'ai eu des réactions, autant des réactions. Je me sens même que j'avais une réaction un peu négative sur certaines choses. Et en fait, j'étais contente parce que je me suis dit, bon, bah là, voilà, là, j'ai des réactions beaucoup plus tranchées. D'accord. Et je suis repartie avec des bonnes rencontres et quelques mois plus tard j'ai signé à une semaine d'intervalle chez 2 éditeurs pour des projets. Ok. Et c'est des éditeurs avec qui il y a un suivi depuis, donc ça c'est super. D'accord. Il y a 1 000 ans avec qui donc j'ai fait un livre avec des autocollants sur les pirates qui est là. Je les ai cool. En physique. Voilà. Sur les pirates, comme ça. Trop bien. Donc, je pourrais vous montrer peut-être un petit peu aussi le process. Il y a plein de petits autocollants, bon là, qui ont été tous collés parce que c'est mon exemplaire. Alors, je fais ce que je veux. Voilà. Du coup, voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça. On remplit les illustrations. Ah, c'est cool. Les autocollants. Après, j'ai travaillé avec eux aussi sur un autre, dans la même collection, un livre sur les crottes.
parce qu'il n'y a pas de faux sujets, sachez-le. Voilà. Oui. Donc c'est une collection documentaire, donc en fait ça brasse vraiment super large au niveau des sujets, il y a de tout. Et l'année dernière, j'ai fait un truc super avec eux. Vraiment, j'étais hyper contente qu'ils me demandent ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Mais des jeux, j'ai fait un petit jeu de cartes avec eux. Ok. Enfin, c'est visible sur Insta, mais voilà, mais toujours dans la même collection. Ça, c'est cool. Et le deuxième éditeur, mon deuxième éditeur historique, on va dire, avec qui j'ai commencé, c'est Au bord des continents. C'est un éditeur breton qui fait beaucoup de livres sur les elfes, le folklore breton, okay. voilà, des choses comme ça, sur un style qui est un peu plus fantasy, un peu plus ado-adulte. Ouais. Et en fait, quand on s'est rencontrés, je lui ai proposé un concept pour les plus jeunes, un concept de livre-jeu. Et il m'a fait confiance, et du coup, là, on voit sur ma page, voilà, là, les petits extraits. Donc, j'en ai fait deux avec lui pour le moment. Donc, un sur Brocéliande. Donc là, avec on voit le petit roi Arthur et Merlin. Et un autre sur les dragons. Ok, trop et cool. Et donc là, j'étais à l'écriture, à la conception des jeux et à l'illustration. Ah, tu le faisais tout de A à Z, c'était vraiment voilà, ton bouquin. Voilà, c'est ça. Exactement. Trop bien. Après, ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, c'était quand même les premiers que j'écrivais. Mon éditeur, il écrit aussi. Et en fait, il m'a quand même... Il m'a aidé sur certaines formulations et tout, il y avait un vrai échange. Ouais. Et ça, c'était vraiment super riche. Voilà. D'accord. Et ils sont là. Voilà. Trop cool. Donc, je vous montrerai aussi sur peut-être le process de certaines illustrations là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité à travailler pour la jeunesse quand tu sais que ça va être pour des enfants? Il y a quoi comme contrainte? Ça dépend, je pense qu'il y a, enfin, il y a des albums jeunesse qui sont très, très, presque des pièces artistiques. Oui, carrément. Où, voilà, il y a des grands albums, il y a des choses qui sont, il y a des histoires personnelles, etc. Là, ouais. Moi, je me situe plus sur un marché qui est, celui du livre scolaire, du livre jeu, du livre éducatif. Ouais. Donc, par exemple, pour les deux, là, pour les livres documentaires, et aussi là pour les livres que je fais avec les éditions MDI pour les cahiers de mathématiques, c'est quand même super calibré parce que ouais. il faut respecter. En fait, je dois servir le propos, et le propos il est documentaire, donc je peux pas me permettre trop de fantaisie. Ouais, il faut okay. voilà. Donc pour ça là-dessus il y a des choses, enfin il y a un cadre à respecter. Donc d'ailleurs j'ai des briefs des fois vraiment hyper complets. Ça va là, c'est de telle taille, il faut qu'il y ait tant de choses. Ok. Quand je sers par exemple un problème de maths, il faut aussi à 6 pommes, il faut qu'il y en ait 6. Voilà. Oui, bah oui, c'est clair. Ouais. Exactement. Voilà. Ouais, carrément. Donc pour ça, ça s'est passé comme ça. Et sinon, pour les deux autres, là, sur les dragons et Brocéliande, là par contre. Donc j'ai commencé par un pitch à l'écrit, après je fais un petit synopsis. En parallèle, il y avait des petites recherches graphiques. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord sur la direction, j'ai fait un petit chemin de fer à la main. Et après, c'est moi qui ai déroulé à partir des recherches graphiques que j'avais faites. On conditionnait tout le style du livre. J'ai pu dérouler l'univers, on va dire. Aller avec et voilà. Puis sur cela, comme il y a des jeux, il y a des labyrinthes et tout, il y avait quand même aussi pas mal de choses à prendre en compte sur la difficulté des jeux, etc. Ouais, carrément. C'est pas... Donc, du coup, c'est quand c'est des jeux comme ça, c'est toi qui les crées, c'est... Sur cette collection-là, oui. Je pense que je parlerai plus du process plus tard, mais vu que c'est là, ouais, carrément. Je vais quand même pouvoir vous montrer au moins sur des petites captures d'écran. Mais en gros, ça arrive. Je vais balancer ça sur le bon écran. Mais en fait, voilà, par exemple, est-ce que ça veut arriver? Écoutez, je vais ouvrir ça sur Illustrator, ça sera plus simple. Et du coup, si le sujet des livres jeunesse vous intéresse, on a reçu Victor Husno, qui est dessinateur de bande dessinée aussi, et qui a fait quelques bouquins jeunesse, et c'est un univers qui est vraiment différent du tien. Oui, je l'avais vu.
Oui, Voilà, tu donc. l'avais vu. Donc c'est lui, il est plutôt le côté très, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais, très artistique, très même expérimental et tout. Oui, ouais, je Et pense toi, que t'es plus dans l'éducatif et tout. donc, enfin, sur ces projets-là, j'ai quand même l'impression de. Enfin, même s'il y a toujours. Il y a une part, bien sûr, artistique, d'expression. Mais sur. Des fois, j'ai l'impression que je fabrique des images, vraiment. Ok. Voilà. Et donc là, par exemple, en fait, donc sur le labyrinthe. Donc en fait, là, au début, je le faisais sur Illustrator. Et en fait, je suis quand même obligée. Il faut que ce soit lisible. Donc, Ouais. je prends le temps de le faire bien sur Illustrator. Et après, il y avait la partie peinture par-dessus pour lui donner un petit peu de vie. Parce que là, comme ça, c'est Ouais. un petit peu froid. Et bah, je crois qu'il y a aussi un bout du rendu final sur le Insta. Voilà. Bah, c'est un petit Ok. bout. Ah oui, il a pas la même tête du coup, ouais, carrément. Non, 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 du tout. Trop bien. Voilà. Donc voilà pour les livres scolaires, livres jeunesse. Est-ce que toi, t'avais Ah oui. beaucoup de... Est-ce que t'avais beaucoup de bouquins quand t'étais petite? Est-ce que tu t'aimais bien tous ces jeux-là ou c'est... Oui. Je pense que mon goût pour ça aussi vient pas de nulle part. J'ai toujours adoré lire. Je lisais beaucoup de BD. Ouais. Oh, je me rappelle, j'étais abonnée au journal de Spirou. C'était trop bien ça. J'ai été abonnée au journal de Mickey jusqu'à Ah voilà. tard, un peu trop tard. Ouais, c'est ça. Non, M'a mais le journal suivi. de Spirou, Voilà. c'était trop bien. Ouais. Non, non, bah, j'étais très friande de tout ça et c'est sûr que. Et aussi d'animation, Ouais. de dessins animés. Et encore maintenant, voilà. Je regarde avec grand plaisir des dessins animés, voilà, des Pixar, des choses comme ça. Et d'ailleurs, je pense que, bah, en ce moment, en fait, bah, depuis que je travaille dans ce milieu-là, je lis quasiment plus de BD. D'accord. Je lis quasiment pas de livres jeunesse. Ah, comment ça se fait? Je sais pas. Par contre, je garde un œil vraiment sur ce qui se fait. Je suis beaucoup d'illustrateurs et tout. Mais en ce moment, je suis plus inspirée par l'animation, par ce qui se fait dans l'animation et par les gens qui font du concept ou du character design dans l'animation. Je trouve qu'il y a des choses qui sont super intéressantes. Et ouais. Et je pense aussi, quand on en fait son métier, ça dépend des tempéraments. Il y en a qui vivent et qui respirent leur métier, qui prend leur. Enfin, ça prend vraiment tous les. Ça remplit tout, voilà, tous les aspects de leur vie. Ouais. Autant moi, je sais que j'ai besoin des fois de faire un break, en fait, juste Oui, carrément. laisser le. Est-ce que tu arrives à garder ton innocence et la fraîcheur, tu vois, quand tu regardes un dessin animé, un truc où tu Ah as un peu tendance oui. à tout Oui, enfin, analyser, tu vois, genre, oh là, la palette, elle est cool. ça dépend, Tu vois? mais c'est clair. Par contre, effectivement, tu vois plus. Bah, des fois, je suis là, waouh, ah ouais, la palette, elle est super. Enfin, c'est sûr que forcément, j'y prête beaucoup plus attention, et c'est normal. Mais en même temps, si l'histoire elle m'embarque, Ouais, c'est clair, je suis d'accord bah, avec toi. Ouais. Généralement, quand on commence à se poser la question des trucs techniques, mais dans les films et tout, tu c'est vois, peut-être que tu as perdu un peu de c'est quand on l'histoire. commence à m'ennuyer, ouais, c'est C'est ça. ça. Quand je commence à regarder comment ils sont éclairés, c'est que je m'ennuie. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, il y a aussi des petites choses dont je n'ai pas parlé, mais j'ai travaillé aussi, j'ai fait quelques planches de BD pour une ONG l'année dernière. Ok. Ça, c'était super sympa à faire. Il y a aussi des petits bouts là-dessus. Alors, c'est où? Je vais retrouver. Voilà. C'était pour l'ONG Save the Children c'était pour un rapport humanitaire sur une mission qu'ils ont menée au Mali auprès des enfants. Et en Ok. fait, il fallait faire trois planches sur le bilan de cette mission, autant positif que négatif. Donc, par D'accord. exemple, avec un enfant qui dit ah ouais, c'est super, on a des feutres et tout. Et par contre, ma mère, elle est un peu inquiète quand je fais le vaccin contre la dengue ou quoi, parce que le lendemain, je suis malade. Et voilà. Et ça, D'accord. c'était super, super sympa à faire aussi. Donc, voilà. Et aussi sur le jeu vidéo, donc il y a aussi des petits bouts sur le compte. Oui, c'est D'ailleurs, ça. je vous invite à aller sur le compte du Alexis Games. Donc, c'est le compte
mon collègue game designer avec qui on a monté le projet. D'accord. Qui s'appelle Ariskine Elali, qui fait aussi du jeu de société et tout. Dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup d'aller le suivre, parce que si c'est... Il y a ce projet-là qui est super, mais je ne suis pas objective, mais je le dis. Mais sinon, il y aura sans doute aussi des jeux de société de son côté qui peuvent être... Enfin, bah, je pense c'est qu'il y a quoi, une actu... Est-ce que c'est un challenge de se mettre à bosser sur du jeu vidéo quand c'est pas, a priori, ton milieu Plutôt, oui. Après, je pense que ça dépend quel type de jeu vidéo. Mais bah, là où c'est un challenge, c'est qu'en fait... autant là, pour les livres, je peux faire un parallèle avec la façon dont j'ai construit les livres là, dont je parlais juste avant. Ouais. Que bah, y a l'histoire, je fais les recherches de personnages, je crée un univers, je le déroule, et puis après, y a un petit peu de ça aussi. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé par les recherches de personnages, on a eu un coup de cœur pour une des petites filles, parce que la petite fille, c'est l'héroïne. Et à partir de ça, il a fallu tout créer. Mais... Le challenge, je pense, c'est plus sur la quantité, enfin, en ce qui me concerne, la quantité de choses à faire, parce que y a plein d'éléments de décor à faire, il faut tout décomposer. Voilà, ça c'est aussi un point. Tout décomposer, c'est-à-dire que la façon dont je gère mes illustrations, finalement, l'éditeur, ce qui compte, c'est que je lui donne un fichier exploitable, donc ouais. Sur fond transparent, bon format, etc., bonne résolution. Et finalement, la façon dont je l'ai fait, l'ordre de mes cales, qu'est-ce qu'ils sont nommés ou pas. Ça, c'est pas grave. Une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. C'est ça. Sauf s'ils me demandent de les nommer spécifiquement, ça, je le fais, bien sûr. Mais là, par contre, pour le jeu vidéo, bah, en tout cas, sur la façon dont on a travaillé, pour qu'ils puissent utiliser les éléments, il fallait vraiment que je mette tout sur des cales différents. Mais tout, c'est-à-dire, par exemple, sur un personnage, les paupières, le nez, la bouche, machin, les épaules, okay. Les bras, la main qui s'ouvre, la main qui se ferme. Et à ce moment-là, et tout nommé. Ouais. Donc c'est aussi c'est plus chronophage. Ouais. Après c'est magique en fait de voir son travail s'animer. C'est vrai que c'est quelque chose que je pensais pas faire ou voir un jour. Mais voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est quand je fais un retour en arrière, c'est de voir qu'au début j'avais signé pour l'illustration jeunesse dans ma tête, et au final. Bah, quand on s'engage sur cette voie-là, je pense qu'il faut rester un petit peu aux aguets de ce qui se fait dans les secteurs parallèles, parce qu'on ne sait jamais, mais on peut être amené à faire du design textile. En fait, c'est pile poil dans mes compétences d'illustratrice, de faire du concept. Bah, finalement, en tant qu'illustratrice, j'en faisais déjà aussi, sans que ça porte ce nom-là. Et voilà. Enfin, je dis ça comme tips pour aussi. Peut-être certains de mes élèves ou d'autres ou des gens qui cherchent du travail ou qui ont du mal à en trouver, c'est que des fois Ah bah tiens, on va rentrer dans le débat. Quel tips tu donnerais pour se sortir de la masse, tu vois, alors, pour sortir un peu du lot et je pense, en étant objective, que je suis pas sûre que mon travail sorte de la masse concrètement. Enfin, dans le sens où c'est bon, je pense qu'il y a quelque chose. Bien sûr, c'est original, mais on le voit bien qu'il y a une concurrence qui est super rude, surtout sur Instagram. Mais je pense qu'il faut pas se laisser intimider, parce que ça reste une vitrine, et que pour trouver du travail, en fait, il y a pas juste ce qu'on fait. Ouais. Que l'image, c'est une chose, mais il y a aussi tout le comportement derrière, le fait d'être pro, en fait. Oui, carrément. Moi, je me suis rendu compte que, bah, notamment, en fait, quand j'allais au salon du livre jeunesse, des fois, je voyais des livres, enfin, plus jeunes, hein, je voyais des livres et que je trouvais pas super, voilà, pour des raisons qui me sont propres. Je voyais le truc et je faisais, bon, c'est pas terrible. Comment ça existe ? Il y a tellement de trucs voilà. Stylés qui sont possibles de faire, pourquoi ce truc-là, il existe ? Et j'avais cette réflexion, je me disais, bah, si cette personne est éditée, bah, moi, je peux aussi. Mais en fait, je me suis dit qu'il fallait penser autrement, et que, en fait, ça posait question sur ce que l'autre avait compris, plutôt. Ouais. Mais en fait, si cette personne, elle a son travail sur les étals, et même une collection, j'en sais rien, c'est qu'il y a autre chose derrière. Alors, soit c'est moi qui... C'est une affaire de goût, déjà. Ouais. Voilà, chacun ses goûts, etc. Ou j'ai pas la culture pour y être sensible, et voilà. Puis de toute façon, je pense qu'il vaut mieux faire solidarité, même avec les styles
nous plaisent pas forcément, puisque la situation des auteurs, elle est un peu, pas, un peu précaire aussi. Ouais, carrément. Au contraire, ouais. Même maintenant, moi, quand je vois ça, je dis, ouais, tous ensemble, même si c'est pas forcément... Enfin, je suis pas légitime pour dire ce qui est pro ou pas. Voilà. Ouais. Et donc, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Donc, soit c'est une affaire de goût, soit c'est l'histoire, elle est géniale. Et l'illustration, en fait, sert bien l'histoire, et c'est ce qui compte, finalement. Soit c'est aussi peut-être que la personne, en fait, elle est hyper sympa, qu'elle rend les choses à l'heure, qu'elle a un comportement super pro, qu'on peut compter sur elle. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est des qualités qui sont super importantes. Je suppose que ça dépend aussi des projets. Ouais. Mais qu'on a vite fait d'avoir un côté rêveur, artiste et tout que j'ai. Hein, je veux dire. Mais par contre, je me suis rendu compte que pour le rapport au client et pour construire aussi une relation avec un éditeur sur le long terme, bah avoir un comportement pro où le client a jamais à te demander de nommer tes fichiers correctement ou à t'apprendre en fait comment rédiger un mail, enfin voilà, c'est normalement ouais, il n'est pas censé te dire quoi faire. Bien sûr, des fois ouais. Il faut se mettre au raccord parce qu'il y a des éditeurs qui ont un process bien particulier à ce moment-là. Il faut qu'on s'aligne sur la façon de communiquer. Mais par contre, voilà, sur ce côté-là, je pense que, sur mon expérience, en ce qui me concerne, cette attitude a porté ses fruits, je pense. Oui, carrément. Mais là, je te rejoins complètement. Écoutez ça, les gens. C'est des tips à 12 millions de dollars. Si vous êtes sympa et que vous répondez au message et vous envoyez un message de remerciement... après un live chez Adobe ou quelque chose, vous sortez de la masse. 90% oui, des gens. Ça, vraiment, ça, c'est... On ne se rend pas compte, mais clairement. Et pourtant, c'est du bon sens. Oui, après, par exemple, pour les... Il y a des gens qui ont un talent fou et leur talent parle pour eux-mêmes et ils n'ont pas besoin de faire plus. Ouais. Mais autrement, quand on est en concurrence comme ça, ça peut se jouer là-dessus. Ouais, carrément. Alors, ça sonne chez toi, c'est ça ? Exactement, ça sonne chez moi. Donc, et ben, il va rester à la porte. Je sais pas. J'ai fait en sorte. J'ai viré tous mes colocs pour avoir le maximum de bande passante aujourd'hui. Donc voilà. Et je pense que si ça ressonne, peut-être qu'il va falloir que j'aille ouvrir rapidement. Ok. Et eh ben, écoute, je te laisse 30 secondes et moi, je vais remplir les 30 secondes. C'est les aléas du direct. C'est comme oui, ça. Oui, voilà. Allez. Du coup, je vais profiter du petit temps qu'on a ensemble pour vous rappeler le concours Kissaring qu'il y a en ce moment. Et alors, du coup, c'est à l'occasion, que je dise pas de bêtises, c'est à l'occasion de la sortie des nouvelles brushes qui ont été designées par Cal Webster, c'est ça, et qui sont disponibles sur Fresco ou sur Photoshop. Donc, c'est des brushes qui ont été... designés et ils ont vraiment fait de la recherche sur le travail de Kissaring pour faire en sorte que ça reprenne son travail. Et ouais. du coup je termine mon petit truc. On fait un concours en ce moment Kissaring et du coup voilà, donc vous pouvez avoir accès à ces brushes qui sont dans votre abonnement et en plus il y a un concours qui est organisé par Adobe avec des vrais trucs à gagner, genre de l'argent. Et quand même, hein, c'est vendeur. Ça va jusqu'à 5 000 $, je crois. Donc vraiment, allez jeter un œil. Il me semble que lundi, on a une session qui va être exprès dédiée à ça. Donc ça va être cool. Et puis voilà, je crois que c'est bon. Bah, elles ont l'air chouettes, les brushes, d'ailleurs. J'ai regardé la petite vidéo promotionnelle. Super sympa. C'est ça. Donc il faut regarder. Elles sont chouettes. Et en plus, il y a un concours pour gagner des sous. Et quand même, c'est quand même stylé. Ouais, carrément. La petite parenthèse sonnait. C'était le moment et j'ai même envie de dire que c'était peut-être calculé de ma part. Ah bah voilà. Non, je rigole. Parfait. Et écoute, est-ce que tu as envie de nous parler d'un projet ? Est-ce que tu veux rentrer dans un de tes fichiers ? Je te laisse un petit peu. Je pense. Continuer le débat sur. C'est un peu du lot. Oui, donc là c'était sur l'attitude, mais malgré tout, si on fait pas du bon boulot, si on fait pas des jolies images, on peut être. Oui, carrément. Mais par contre, faire des jolies images, c'est pas
suffisant. C'est ça. C'est que dans tous les cas, il faut faire des jolies images, mais pour travailler régulièrement, tout ça, ça aide d'être sympa et de répondre à ses mails. Oui, voilà. On va dire ça comme ça. Ça marche. Après, oui, en termes de process, en fait, j'ai plusieurs façons de travailler. J'ai identifié 4 façons de travailler. Donc, soit je suis 100% sur Illustrator, donc je vais vous montrer. Soit je passe d'Illustrator à Photoshop. Okay. Soit c'est que Photoshop. Et à nouveau, si c'est que Photoshop, j'utilise notamment sur des projets de couleurs et aussi sur le jeu vidéo, j'ai pas mal utilisé ça, le lasso. Beaucoup le lasso. C'est une technique, je sais, qui est courante dans le concept art et aussi dans la couleur de comics. Okay. Et je me suis inspirée un petit peu de ça, et en fait, ça marche en jeunesse aussi. On peut faire des choses sympas. Ouais, écoute, moi je suis curieuse de voir ça. Il y a Aegen qui a posté un truc, ça m'a fait marrer. Il a dit: pour ou contre les sonnettes de porte? Et en général, ouais, je dis pour, mais pas aujourd'hui. Non, c'est vrai. Daniel qui dit: c'est du très beau travail, Clémentine. Ah, il y a Lisa qui est dans le chat. Salut Lisa. Voilà. Je me suis rendu compte qu'on avait une copine en commun. C'est petit. Allez, écoute, voilà. Daniel qui a envie de tester les nouvelles brosses. Très bien. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Est-ce que y a quelque chose qui tente le public, l'audience, en particulier, peut-être? Moi, j'ai bien envie de voir ton histoire de lasso, là. De lasso, oui. Alors, je vais le faire... Si c'est possible. Je vais le faire rapidement. Je vais essayer de trouver un projet où c'est pertinent de l'utiliser. Et est-ce que pour toi, alors tu dis que tu as beaucoup, beaucoup enseigné et toutes les matières possibles, imaginables, artistiques. Est-ce que c'est important pour toi, du coup, de partager, d'être là et... Aujourd'hui, sur le live? En général, tu vois, est-ce que l'enseignement, ça t'apporte quelque chose dans ton process? Complètement, mais complètement. C'est une super question parce que je me rends compte, en fait, et je pense que c'est pas que par rapport à l'enseignement, mais c'est une autre attitude, je pense, qui me fait vachement progresser, c'est que des fois, d'accepter du boulot que t'es pas complètement sûr de pouvoir faire, par exemple, tu sais que t'as les compétences pour le faire à 60%, et après, il y a les 40% où tu dis, oula, je sais pas, en fait... on verra bien, et il va bien falloir trouver un moyen de le faire, et en faisant ça, du coup, tu progresses à chaque projet. Et ça, c'est intéressant, c'est que vraiment, je pense qu'après chaque projet que je fais, il y a toujours un petit truc que je vais faire différemment, ou un peu mieux, et aussi, notamment, je le dis en toute sincérité, grâce au live Adobe, j'ai appris des trucs, hein. Je fais aussi partie des gens qui se sont dit... Ah bon, je fais ça de cette manière. S'ils étaient derrière mon ordi, je me ferais, je sais pas, mais et quand Franck il te sort des tips de l'espace là, qui te font gagner. Non, mais en fait, on a vite fait d'être sur une façon de travailler un peu ronronnante. Enfin, sur s'il y a des projets qui s'enchaînent sur le long terme, en vérité, on n'a pas le temps d'expérimenter, forcément d'aller voir tous les outils. Ouais, et du coup, là-dessus, de temps en temps, j'en mets en fond. Et oui, je me suis déjà rendu compte parfois que en fait, il y a un bouton ici qui le fait 2 fois plus vite. En fait, on peut faire ça comme ça. Tu sais, le bouton qui est juste en face, mais oui, que tu n'as jamais vu avant. Ça. Il est là. C'est-à-dire il est là. Une fois par jour, j'ai la main qui passe par-dessus. Il est là, il me fait de l'œil. Et en fait, c'est trop marrant, je ne le vois pas. Voilà, c'est dommage. Mais donc, il y a ça, oui, c'est d'accepter des fois des travaux. Comme pour le jeu vidéo, comme pour d'autres projets. Comme pour la BD, en fait, comme le design textile, c'est tu peux faire ça, oui, bien sûr. Puis dans les faits, voilà, faut le faire. Et par rapport au fait d'être prof, il y a aussi ça. C'est-à-dire que, en fait, je considère que, je sais que je suis pas forcément celle qui a le plus de connaissances concrètement, mais que après la pédagogie, il faut être bon pédagogue. Et pour moi, ce qui compte, c'est d'éveiller la curiosité des étudiants et de leur transmettre bien ce que je sais déjà. Okay. Et en fait, en faisant ça, je pense qu'ils apprennent plein de trucs. Et sur le fait d'avoir donné des cours de tout, parce que je peux pas dire autrement, et à tous les âges,
C'est déjà, j'aime bien enseigner, vraiment. J'aime bien le contact. Là, je sais que j'ai pas donné de cours pendant quelques temps. Et en fait, ça m'a manqué. Pour plusieurs raisons. Enfin, déjà, juste pour le fait de transmettre, c'est quelque chose qui me plaît, comme une sorte de petite mission parallèle. Voilà, j'ai pas envie de disparaître avec ce que je sais, en gros, pour dire. Et en même temps, moi, ça me permet de mettre des mots sur des choses que je fais en pratique. Et aussi donc de théoriser des choses que je fais en pratique, et aussi de mettre en pratique moi-même des choses que je ne sais qu'en théorie, parce que mes étudiants vont en avoir besoin. Tu vois. Donc autant quand il y a quelqu'un, quand j'ai donné des cours d'huile, alors que sincèrement, j'en ai très très peu fait, ou des cours de très variés. J'étais prof de nature morte à l'Académie de la Grande Chaumière là, pendant 1 an et demi. La nature morte, enfin, il n'y a qu'à voir sur mon compte Instagram. Je cherche un peu, mais on n'a Oui, pas. c'est Voilà. Donc, à part des travaux étudiants ou des petits dessins, des études comme ça que je vais faire personnellement, il n'y en a pas vraiment. Mais moi, ça me pousse à progresser. Et en fait, aussi, à force de dire des choses aux étudiants et aux élèves, et ben, il y a un moment où je suis bien obligée aussi de les appliquer pour moi-même. Et là-dessus, ça m'apporte un peu plus de rigueur aussi, juste dans mon propre travail. Donc en fait, des fois, ils ne se rendent pas compte, mais il y a un vrai échange. Et ça me permet aussi de me poser des questions parfois que je ne me pose pas. Enfin, d'écouter les besoins que peuvent avoir des étudiants qui ont un style complètement différent. Bah, parfois, ça me permet. Bah, je vais récupérer leur façon de faire sur des choses personnelles, mais ça ne va rien avoir. Ah tiens, Tu j'ai vois? une question. Oui. Est-ce que tu penses que quand tu enseignes, tu transmets, mais malgré toi, un certain style à tes étudiants? Un style, alors ça dépend, parce que, alors oui, je l'ai constaté sur certains types de cours. Je pense par exemple sur du dessin, simplement du dessin, des bases de dessin ou des choses comme ça. Je pense que ça joue. Après, quand là, je vais faire des cours de Photoshop ou quoi, bah, en fait, ils ont déjà des goûts. Il y en a qui vont aimer le manga, il y en a qui vont aimer le comics, etc. Et à ce moment-là, moi, j'arrive avec mes trucs ronds et ma façon de faire. Voilà, c'est finalement. Enfin, moi, je sais que quand j'étais étudiante, je savais ce que faisaient mes profs. Mais pas plus que ça non plus. Et je pense pas que j'ai été inspirée par leur esthétique, on va dire. Quoique, en fait, si, dans les références, si. Parce que du coup, il y a des choses où bah, je me serais pas intéressée à certaines choses. Et des fois, ils disaient, ouais, va voir un tel, il est super fort, et j'y vais. Et je vais toujours voir, par principe, juste parce qu'on sait jamais. Ça peut apporter quelque chose. Voilà. Non, c'est intéressant, ouais. Bah, pour faire une petite démo, je pense que ça peut être. Intéressant sur un projet que j'ai pas encore montré. Ouh là là, allez. C'est un projet, ben là c'est mon dernier poste en question. Donc je travaille là avec les éditions Colibri sur des projets d'imagier jeunesse et de mots fléchés. Ça a été vraiment super sympa à faire et c'est encore un projet sur lequel j'ai travaillé un peu différemment. Il y aura deux des projets qui seront distribués par Lito en 2021. Et ça a été hyper ludique à faire. Je vais vous montrer comment. Alors, il y a Dis-moi. Frédéric Vigneault dans le chat qui te passe le coucou. Salut Fred, Ouais. qui était un de vos invités l'année dernière Ah oui, pour parler. Franck a reçu. Ouais, c'est ça. Et c'était une super session. Rien à voir avec, mais avec ça. Il travaille sur Torgal et tout, donc c'est un peu la classe. Ah, c'est trop Je bien, ouais. recommande. Allez. Voilà. Moi, je l'ai pas vu, j'ai. Donc là, c'est un fichier où Oh là, il je y vais en vous a montrer tellement. à quoi ça ressemble, mais en fait, donc c'est Et un du coup, projet. c'était quoi ça? On dirait vraiment des stickers. C'est drôle. Oui, et en fait, c'est un livre de mots fléchés. En fait, là, il faut imaginer sur ce fichier, c'est celui que j'ai rendu à l'éditrice, qu'il y a les colonnes de mots fléchés. Là, en fait, il faut trouver poussin, là, il faut trouver citron, etc. Et en fait, j'avais un fichier comme ça avec tout, avec tous mes éléments, parce que, en fait, donc je les récupère.
Donc là, je l'ai fait sur Illustrator. Et sur Illustrator, en fait, j'utilise jamais la plume, quasiment. J'utilise que le crayon. D'accord. Et je l'utilise à la tablette, donc je dessine vraiment au crayon. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Et franchement, c'est super comme façon de travailler. Je pense que ça se rapproche peut-être de la façon dont peuvent travailler certains concepteurs avec des outils 3D, où ils vont se faire des espèces de marionnettes en 3D, OK. qu'ils vont pouvoir réutiliser sur certaines illustrations. Et bien là, en fait, tout ce que je fais, comme l'illustrateur, c'est une logique de papier découpé, en fait, je peux les bouger et les réutiliser. Et du coup, de mon cheval qui est ici, ouais. C'était ma base pour faire mon zèbre qui est là. Voilà. Donc, oui, par logique, exemple, ouais. On va essayer de trouver, par exemple, on va trouver un élu. Moi, je vais dire, ce sera le poisson bleu. Ouais, est-ce que tu peux zoomer dedans? Ouais, voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon petit poisson clown. Et ce qui est intéressant, c'est que si je veux lui faire un copain, donc je vais le dupliquer. Ouais. Un copain qui fait la tête, par exemple. Il n'est pas content, voilà. Et il est jaune, si ça vous okay. va. Ok. Bah oui, oui. Et bien, juste en récupérant le contour, ouais. Et ben, je peux changer sa forme. Ok. Ah ouais, ça prend voilà. Je un peux quart de seconde. Récupérer. Et là. Il va être un peu triste comme ça. Je vais récupérer la petite brillance dans l'œil. Je vais changer. Oh non. Il est triste, mais peut-être parce que la sonnette a interrompu le live. Je ne sais pas. Là, il est un peu triste. Voilà. Et en fait, ça, c'est aussi le process que j'utilise sur mon ancrage pour les livres scolaires et pour les livres documentaires. D'accord. Tous les personnages que je fais. Au final, je pense qu'au début, j'ai dû en créer peut-être 6 ou 7. Après, c'est tous une déclinaison de ces personnages quelque part, en fait. Ok. Mais ça se voit pas, bien sûr, je fais tout pour que ça se voit pas. Il y a quand oui, même... oui, bien sûr. C'est un vrai retravail derrière. Mais par contre, c'est super intéressant parce que ça me fait une super banque d'éléments. Donc là, si j'ai envie de changer sa couleur et ensuite la couleur de l'ombre. Ah oui, ça prend vraiment 2 secondes. C'est quoi. Possible. Si j'ai aussi envie, par exemple, qu'il ait plus de rayures et qu'il ait des poids à la place, je vais rentrer dans mon masque d'écrétage. Ouais. Je fais ça de manière un peu brute. Hein, oui, bah oui, mais c'est cool de voir. Donc, je vais aller prendre, par exemple, mon outil ellipse. Hein, je vais faire des petits... Là, il est malade, hein, je pense. Là, il n'a pas la pêche. Il est un peu verdâtre, il est triste. Le pauvre. Voilà, je vais peut-être en dupliquer quelques-uns comme ça. Voilà. Donc là, il a des petits boutons. L'eau est un peu trop polluée par là. Non. On fait un peu n'importe quoi avec l'écologie, c'est pas étonnant. Voilà. Et là, on sort, et voilà. Un petit poisson malade. Ok. Non. Et mon devoir à côté de l'autre, du coup, comparé à l'original. Voilà. Donc c'est un peu abstrait. Oui, c'est cool. Voilà, mais et puis je peux tout changer si j'ai envie que la queue est oula, pardon, je vais faire autrement. Je vais prendre juste le contour, qu'elle soit peut-être un peu pointue comme ça. Ouais. Ben, c'est possible si j'ai envie qu'il ait un que ce soit plus un chinchard de l'Atlantique, et ben ouais. Je peux aussi faire comme ça. Je peux lui enfin voilà, et là-dessus bah ça c'est super donc parce que tous les éléments sont un peu pensés comme ça. Là du coup tu vois ta planche qui est avec des millions d'éléments dessus, ça t'a pris combien de temps à faire ça? Je sais pas du tout. Le projet total, donc là c'est tous les éléments qui sont issus d'un projet qui a été fait sur 2 mois. Donc sur moins de. Enfin j'avais d'autres boulots en même temps. Donc ça a été plutôt rapide. En fait, je faisais... Il y avait 42 planches d'environ... Je sais pas combien d'éléments. Ben, je vais pouvoir aller... On va compter ensemble. 13. Environ 12-13 okay. éléments par planche. Ouais. Il y en avait 42. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait presque 500, hein. Est-ce qu'il y en a 500? Je suis pas sûre. Peut-être que c'est une bêtise. Mais il y avait plusieurs ou c'est moi qui... Ça, c'est calcul mental. Je viens de faire un livre de maths que je vais consulter tout de suite pour avoir la voilà. Non, voilà. Donc,
Non, je ne suis pas très bonne en maths. Mais... En tout cas, là, il y a quelques centaines d'éléments. Bah, le projet total, il a été fait sur 2 mois. Ok. En général, il y a des... Ouais, c'est plutôt 2 mois, un livre. Enfin, il y a peu de livres illustrés ou de projets où j'ai eu plus de temps que ça. Par exemple, même D'accord. pour faire encore plus fort le jeu de cartes, là, c'était 3 semaines. Ah ouais, ok. Je crois que j'étais pas que là-dessus, hein, il y avait d'autres choses. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, en fait, que on est obligé, enfin, personnellement, je suis obligée de développer une façon de faire qui peut être rapide, Ouais. si ludique pour moi, parce que sinon, c'est pas marrant. Parce que la cadence, en fait, elle, dans le livre, elle est élevée. Enfin, après, c'est aussi un choix de ma part. Moi, j'ai envie que ça tourne, j'ai envie, voilà, d'en vivre. Donc j'accepte des choses et puis ça s'enchaîne comme ça. Et donc, bah, c'est aussi pour ça que, bah, des fois, je regrette un petit peu ma boîte d'aquarelle ou quoi, mais je pourrais pas faire autant de choses en trad. Maintenant, j'ai vraiment développé une façon de faire en digital qui est, je pense, qui marche bien. Et Ouais. donc, en fait, sur ce projet-là de mots fléchés, après, on a enchaîné sur un projet d'imagier jeunesse. Donc là, c'est des illustrations qui sont composées. Donc, je vais pouvoir en ouvrir une. Et en fait, eh ben, j'ai pu récupérer des choses que j'avais fait sur le précédent projet. D'accord. Voilà. Donc, qui se voit pas, mais par exemple, bah, la souris, il y avait une souris dans le projet d'avant. Ah oui, du coup, l'air de rien. Hop, hop, hop. Bah, si je zoome sur ma petite souris, voilà, et que on va la voir, je rentre, voilà. Et ben, en fait, je peux prendre juste la queue, la faire pivoter, d'un coup, Ouais. elle peut marcher. Je vais y arriver. Bon, là, il faudrait que je modifie quelques petits trucs, mais pareil, elle Ok. peut. Ouais, tu peux la Et bidouiller. à ce moment-là, bah, celle-ci, celle qui est derrière la boîte, là, qui se cache, c'est sa cousine, et celle qui est ici aussi. Voilà. Ok. Ah, c'est cool, hein. Alors, il y a Mélocoton qui dit très chouette, Clémentine. Merci de partager tes astuces de travail rapide. Bah, merci, ça me Il fait y a Delphine plaisir. qui parle, je pense qu'elle parlait du poisson, elle disait il a pas mis son masque, c'est malade. Non, ouais, je pense. Quelle histoire. Bah, on fait des bisous à Franck qui nous regarde dans le chat. Eh ben, salut Sa Franck. sieste est terminée. Voilà. Ah, il demande, et du coup, est-ce que tu as joué avec le nouvel outil marionnette d'Illustrator? Non, mais note pour moi-même, il va falloir que j'explore ça. Ah Du bah coup. voilà, allez, Ok. bucket list. Ça marche complètement. Bah, déjà, je pense que là, c'est une façon de faire qui est plutôt rapide, mais s'il y a encore plus efficace. Parce Ouais, que je carrément. ne tiens pas à être rapide, en fait, c'est pas ça. Mais c'est juste que s'il y a des façons de faire qui sont plus rapides, pourquoi s'en priver? Voilà, tout Oui, simple. c'est ça, c'est optimisons notre temps. Donc, l'outil marionnette, voilà. Et donc, en fait, cette façon de faire là sur Illustrator, sur ce projet-là, donc c'est celle que j'ai aussi sur les projets de Brocéliande et des livres documentaires et de maths. À part qu'il y a une deuxième étape où, en fait, j'importe sur Illustrator, sur Photoshop, et après je peins par-dessus sur Photoshop. D'accord. Donc pour exemple, donc on va revenir. Donc pour ajouter de la texture, pour sortir un peu de ce côté Voilà, par très exemple, vectoriel. exactement. Donc là, je vais ouvrir une page des dragons. Ouais, Franck dit l'outil marionnette pour la queue de la souris, c'est un cousin de celui de Photoshop et d'After Effects. Trop Ok, bien. oui, il me semble que c'est comme si on mettait Ouais. des bones dedans et en fait après on Ouais, peut. c'est trop bien. Bah moi je connais celui d'After, mais. Ouais, j'avais vu ça il n'y a pas longtemps et effectivement, ouais, je pense que Ouais, je c'est pense pas que toi, mal. ça va te servir pour Complètement. ton Donc en fait, français. là voilà par exemple sur le projet des dragons. Donc en fait, pareil, là tout est découpé, je peux tout déplacer. Je prends mon. Alors, je prends mon petit. Ton petit buisson, ton Mon truc, petit tu peux tout bouger. buisson. Et puis si j'ai envie de le déplacer, de le mettre au loin. C'est Ok. possible de changer sa couleur, qu'importe, voilà. Donc une fois que je suis contente de ce que j'ai fait là-dessus, eh bien je passe sur Photoshop. Là, je passe sur Photoshop. C'est marrant en fait, ta manière de travailler, ça me rappelle des gommettes. Je sais pas pourquoi. Un petit peu.
Oui, eh ben, en fait, dans le sens où illustrateur, c'est vraiment ça, c'est les papiers découpés, c'est t'en mets un devant Ouais. l'autre, tu les décales. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a vraiment ce côté sticker, c'est. Ouais, et c'est assez ludique aussi à faire. Ouais, C'est carrément. sympa. Et en même temps, des fois, bon, bah là, j'aurais pas eu le temps d'en parler quand je passe sur Photoshop, mais par contre, quand je suis sur Photoshop, je dessine, je fais mon crayonné, j'encre, je fais ma couleur de manière un peu plus traditionnelle, on va dire. Et donc là, en gros, j'ai mon petit, ce que j'ai fait sur Illustrator en fond, Ouais. et puis après, je viens rajouter des petits éléments, des petits effets, du texte par-dessus pour lui donner un peu plus Ok. de matière. Et du coup, tu rajoutes comment tes matières? C'est juste à la brush? Je Tu rajoutes des calques de là texture ou... je là je peins. Ouais, Ok. je peins. Il n'y a pas de calque de texture sur ce projet-là. Mais là oui, j'ai une brosse chouchou. Puis je mets des petits coups de. Par exemple, là ici, on a un petit. J'ai fait un dégradé que j'ai mis en incrustation pour donner une couleur un peu plus franche. Je trouvais que ça manquait d'un peu de saturation. J'avais envie que ce soit fondu. Donc j'ai fait ça comme ça. T'as pas tant de Voilà. calques que ça dans Photoshop, hein? Non, ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Il y en a où j'en ai un maximum, Ouais. mais parce que il faut que. En fait, au début, j'en ai beaucoup, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'ai accompli, j'écrase cette partie-là. Ah, d'accord, c'est Voilà. la feinte. Voilà. Mais vraiment, au moment où je suis sûre de plus avoir à revenir en arrière. Ouais. Et sinon, ouais, voilà, je fais comme ça. Ok. Et bah écoute, trop cool. Il reste quelques minutes. Du coup, je te propose, tu peux nous parler de ce que tu veux, si tu as un dernier projet à nous montrer. Si vous avez des questions dans le chat aussi, c'est le Allez-y, moment. Et carrément. puis oui, n'hésite pas si tu veux nous montrer un dernier, le Bah mot de la oui, fin. un petit, en 2 minutes, un petit truc que j'ai fait vraiment qui est tout frais de la semaine dernière. Ouais. Juste comme ça, vous verrez vraiment en 2 minutes comment je fais sur Photoshop. Voilà. Parce que là, pour le coup, c'est quand même plus intuitif. Là, je dessine. Enfin, je dessine aussi Ouais. sur Illustrator, mais donc là. Plus Moi, traditionnel, entre j'ai guillemets, on vraiment, peut dire ça. c'est ça. Enfin, comme je ferai à la main, j'ai Ouais. des croquis comme ça, hyper hyper rough. Ok. Après, je fais mon ancrage. Est-ce qu'il est là? Ah, voilà, là j'aurais dû les nommer. Oups, voilà, je l'ai pas Bon, fait. ça va, il n'y en a pas beaucoup, Voilà, donc c'est il est là. Donc pas là, j'ancre, grave. Ouais. j'enlève mon crayonné, je fais mes aplats, je peins un petit peu et après je rajoute si besoin des choses et un petit calque de teinte, saturation, petite fusion à la fin. Ouais. Et voilà. Ça a l'air tellement efficace ton process en fait. Tu vois, ça a l'air simple, mais pas dans le bon sens du terme, tu vois. j'essaye. Après, c'est adapté à mon style, à ce dont on attend aussi de moi. Je pense que pour ce. On doit tous trouver des trucs comme ça, des tips qui sont adaptés. Mais pour la BD ou pour l'illustration jeunesse, je pense que c'est un process que pas mal de gens ont, en fait, hein. Je pense là-dessus, il y a pas de, je pense qu'il y a rien de particulièrement novateur sur cette idée en particulier, mais voilà. S'il y Bah, trop a cool. une petite question de dernière minute, Non, bah écoute, on n'a pas de questions. Il y a Thierry qui dit merci pour la belle créativité. Bah, merci Thierry. Il me semble que... Voilà, il y a Franck qui vient de vous partager un lien pour apprendre l'outil marionnette dans Illustrator. Et je serai la première à aller cliquer dessus. Voilà. Ce serait peut-être l'occasion de faire une petite vidéo, ça pourrait être cool. Carrément, 3 mois plus tard, intégrer dans mon process la marionnette. Ouais, Ça y est, carrément. Si je vous gagne une journée avez... par semaine. Bah ouais, carrément, c'est clair. Alors, je suis en train de chercher. Et si... Restez encore dans le coin, parce que si vous n'avez pas eu votre dose aujourd'hui, il y a encore un live à 16h. Il y a encore un Art and Talk avec Frédéric Le Martelot et Franck, du coup. Et ça va être super cool. Il y a plein, plein, plein de lives aujourd'hui, hein. Donc Ouais, c'est voilà, ça, on peut 16h. passer une journée entière avec Adobe en fond, c'est presque
Adobe Radio, là, Ouais, du carrément. coup. Non, mais en fait, c'est trop bien. Quand j'avais des jobs déguisés, tu te mets ça à côté et... Complètement, complètement. Ouais, franchement, c'est cool. Donc voilà, 16h avec Franck. Moi, je vous retrouve lundi. Bah écoute, merci Clémentine Ben, d'être merci venue nous voir. à vous, c'est chouette d'être invité. C'est cool de passer de l'autre côté, parce que Ouais. ouais, j'en écoute régulièrement, et donc c'est cool. Voilà, je suis contente d'avoir participé à ça, et donc vraiment merci à vous. Bah, pas de souci, écoute, merci d'être venu. Merci à tous dans le chat. Voilà. Je vous fais des bisous et puis bah voilà, partez pas, allez voir Franck dans 1 heure. Allez, bisous, à la semaine Salut prochaine. à tous, ciao!